السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة أبو هاجر التعليمية. مرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة الحصص التي تقدمها القناة. إذن هذه المرة سنكون مع درس جمع وطرح الأعداد الجذرية addition et soustraction des nombres rationnels. كنا رأينا في الحصة الأولى تقديم يعني الأعداد الجذرية. Là, on va faire un petit rappel. On a vu عدد جذري هو خارج d'un quotient ou est une fraction A sur P. Donc A sur P tel que A et B, A et B sont des nombres décimes. Bien sûr, A et B أعداد عشرية et B différent de 0. إذن عرفنا عدد جذري هو خارج عددين عشريين بحيث B تخالي صفر. وقلنا نعلم أن كل عدد صحيح طبيعي هو عدد عشري أيضا. Exemple. ورأينا تساوي عددين تساوي إذا ضربنا البسط والمقادن لنوميراتور و لدينوميراتور on a multiplié O divisé par la même nombre A sur B donc divisé par M égale à A sur B tel que M appartenant est un nombre décimes. La même chose, A fois B, si on multiplie par la même nombre sur B fois N, elle reste toujours A sur B. Et on a vu aussi A sur B est l'opposé de moins A sur B. Donc dans cette séance, on va voir l'addition, la soustraction, comment on va additionner et soustraire de nombres décimaux. De quelle façon, dans la question, qui vient de j'aime, au fois par adad et mille à chaque. Donc soit A et B, donc A et B, donnant A sur B et C sur B. Tel que B différent de 0 et B différent de 1, deux nombres rationnels. Deux nombres rationnels. On appelle ici une fraction A sur B. Donc, A sur B plus C sur D égale. Donc, on va faire. La même dénominateur. Donc, le dénominateur c'est B fois D. B fois D. Donc, on a multiplié B par D. Donc, A fois D. B fois C. A, D plus B, C. Donc, égal A, D. En général, plus B, C. Sur B. C'est la soustraction. La même chose, A sur B moins C sur D égale. Donc le même dénominateur, c'est B fois D. B fois D. AD moins BC. AB, AD moins B fois C. Moins B fois C. Donc c'est la méthode. Si on a la même dénominateur, on va voir que A sur B plus C sur B égale à A plus C sur B. La même chose, A sur B plus moins C sur B égale A moins C sur B. On a la même dénominateur. A
sur B plus somme opposée égale à 0. Plus moins A sur B égale à 0. Moins A sur B, c'est l'opposé de A sur B. Donc A sur B plus moins A sur B égale à 0. Donc on va voir des exemples. Donc on va voir des exemples. Calculer trois virgule deux sur cinq plus moins deux sur 1,5. Donc on va calculer cette de nombre rationnel. Donc on va faire la méthode. On a deux choses. On peut multiplier par 10. Sinon, on va calculer tout simplement. Donc, on va 3,2 sur 5 plus moins 2. On va multiplier par 10 moins 20 sur 15. Donc, on va voir le dénominateur. Là, c'est 15. Ou bien, on va faire 5 fois 15. Mais on va voir que 15 c'est le dénominateur entre les deux. Donc 15, donc ici 5, on va multiplier par 3. Donc 3,2 fois 3 plus moins 20. Donc 3,2 fois 3, 3 fois 3, c'est 9,6. Plus ou moins, c'est moins 20 sur 15. Donc, on a deux nombres. La différence entre deux nombres, c'est donc la différence entre le plus grand et le signe, c'est le signe de le plus grand. فاصلة 4 عندنا هنا ناقص إذن إن إشارة العدد الأكبر على 15. إذن خارج هو 10.4 على 15 ويمكن أن نكتبها هي 104 على 15. مثال آخر إذن 7 على 2.5 ناقص 3 فاصلة 4 على 2. إذن سنقوم بحساب هذا المثال. إذن عندنا نفس الطريقة. إذن نقوم بتوحيد المقام. إذن المقام واحد 2.5 في 2. أو يمكن إذا عندنا طريقة إما نضربها هنا في 10 أو مباشرة نحسب 2.5. طريقة كلا الطرق صحيحة. إذا 2.5 في 2 ناقص إذا 2.5 في 2. هنا عندنا 7 نضربها في 2. إذا 7 في 2 إذا ناقص دائما ناقص 3.4 مضروبة في 2.5. إذن دائما يساوي 7 على 2.5 ناقص 3.4 على 2 تساوي 7 في 2 14 على 2.5 في 2 5 ناقص إذا عندنا ناقص مع ناقص هي زائد إذا ناقص ناقص إذا ناخذ 3.4 في 2.5 سنقوم بعملية حسابية. إذا
34 على 4 17 8.5 إذن 8.5 سنة نقول جميعا 3.4 2.5 إذن 20 5.3 15 إذن 17 2.8 2.3 6 إذن 0.5 إذن 7 8 إذن 8.5 من 8.5 8.5 على 5 إذا تساوي 14 زائد 8.5 تساوي 22.5 على 5 إذا هذا هو الخارج. ويمكن أيضا أن نضرب في 10 ونضرب هنا في 10 إذا تصبح 225 على 55 ويمكن أن نختزل إلى العملية. إذا نمر إلى مثال آخر. ناقص 3 على 7 ناقص 8 على 2.3 هنا من مثال عملية الفرق. إذن نفس الطريقة إذا سنقوم بعملية جداد 7 في 2.3 إذا المقام الموحد إذن ناقص 3 في ناقص 3 في 2.3 ناقص 3 مضروبة في 2.3 ناقص عندنا ناقص نفتح القوس 7 في 8 7 مضروبة في 8 إذن 3 في 2.3 تساوي 6.9 إذن 3.9 3 في 2.6 إذن 6.9 إذن ناقص 6.9 ناقص 6.5 إذن 7 في 8 تساوي 56 على 7 في 2.3 إذن 7 في 3 إذن 21 7 في 2 14 زائد 2 هي 16 إذن 16.1 إذن تساوي إذن نقوم بعملية 56 زائد 6 إذن 62.9 إذن لهما نفس الإشارة إذن هي المجموع إشارة المجموع إذن ناقص 6.9 زائد 56 على إذن في نفس الوقت نقوم بالتذكير هنا إذن عندنا مجموع de l'ensemble des deux nombres qui sont qui ont la même signe. Donc on va faire la somme, puis on va montrer la signe des deux. Il y a une gamme de l'échara, il y a une gamme de l'échara, il y a une gamme de l'échara, il y a une gamme de l'échara. De 6.9, on a pris 2.69.9. De 9.69.9. على 16.1 هنا يمكن أن نضرب أو نترك العملية كما هي. إذا 629 على 161 إذا قد تكون عندنا عملية فيها تحتوي على 3 أعداد أو أكثر. إذا مثال آخر إذن 7.4 زائد إذن ناقص 7.4 زائد 1 على 2.4 ناقص 2 على 7 مثلا. إذن هذه العملية عندنا سنقوم بتساوي هذا المجموع A تساوي إذن A ضيقة إذن نقوم بسبب طرفين بطرف. إذا ناقص 7.4 يمكن أن نكتبها على شكل عدد جديد. كل عدد عشري فهو عدد جديد. توت نوم ديسيمال إتا نوم راسيونيل. دونك سي موان 74 سور 10 بلوس. دونك أون فوا كالكولي سو سوم لا 1 سور 2.4 موان 2 سور 7. دونك إيكا موان
74 sur 10 plus, bon, 2,4 fois 7, 2,4 fois 7, 7 fois 1, 7 fois 1, moins 2 fois 2,4, moins 2 fois 2,4. Donc, égal, moins 74 sur 10, plus 7 fois 1, c'est 7, 2 fois 2,4, c'est 4,8, moins 4,8, sur 2,4 fois 7, 7 fois 4, c'est 28, 7 fois 2, c'est 14, donc c'est 16,8. Donc, on va égal, moins 74 sur 10, 7 moins 4,8, c'est 2,2, plus 2,2 sur 16,8. Donc, la même chose, on va faire la même dénominateur égale. Donc, on va passer à notre côté. Donc, A égale moins 74 sur 10 plus 2,2 sur 16,8. Donc on égale, donc la dénominateur c'est 10 fois 16,8. 16,8 fois 74, donc moins, plus 2,2 fois 10. 2,2 fois 10. Donc on va calculer 16,8 fois 74. 16,8 fois 74. Donc on a 16,8 fois 74 égale 1243,2. On a moins. Plus 2,2 fois 10, c'est 22, plus 22 sur 10 fois 7,8, c'est 168. Donc égal, 1243,2 plus 22, donc on a un signe différent, on va faire la différence. Et le signe, c'est le signe moins. Donc c'est 1221,2. Sur 168. Donc en plus, on va rappeler ce qu'on a fait. Et dans le bénis, il y a un jumeau à dédier qu'on a, et dans la combinaison de la femme, à Wallen. Et on va chercher la même dénominateur. Et dans le noir de la femme, à Wallen, c'est une combinaison de Jida, ou à Satay, ou à Amélie, ou à Mazay, ou à Narkes. Et dans le في الحصة المقبلة إن شاء الله سنكون مع حصة أخرى تهم الأعداد الجذرية وهي لا ملتيبليكاسيون إي لا ديفيزيون الخارج وجداء عددين جذريين. إذا نشكركم على حسن تتبعكم على أمل اللقاء بكم في الحصة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.